première mesure, je ferai en sorte qu'il y ait une unité dans l'ensemble des citoyens de la commune. Essayer de trouver un commerce pour Saint-Symphorien-le-Château. Qu'il y ait une harmonisation, ne serait-ce que dans la voirie, une harmonisation dans le sport, etc. etc. quoi. Des commerces avec des produits locaux. Exemple tout bête, vous allez du côté du secteur, je ne vais pas dire quartier, mais du secteur Saint-Symphorien, il y a des trottoirs rouges, bitumes, etc., qui sont jolis. Il y a une ZAC qui a été faite, qui est très jolie, etc. Il n'y a pas Uno, c'est plus. Donc on essaie d'harmoniser tout ça. Il n'y a peut-être pas assez de transport, je pense. Il y a des transports pour aller sur Chartres, mais moins sur Rambouillet. J'essaierai de voir pour améliorer les transports sur Denonville, pour aller sur les centres-villes, Chartres, Rambouillet, Étampes. Les transports, c'est bien fait pour ça, parce que. Entre Ono, Bleury et une navette que vous avez déjà peut-être vue qui vient ici et qui tourne et qui amène des gens qui n'ont pas de voiture. Ça, c'est très bien fait. Moi, ce que j'aimerais changer, c'est d'avoir plus de médecins parce qu'il y a beaucoup de manque de médecins dans le quartier. Pour le moment, on a 6 docteurs, mais bon, il faut penser qu'il y en a 4 qui vont aussi arriver à la retraite bientôt. D'avoir une ville propre, un petit village propre. Et les voitures en stationnement aussi sur les trottoirs. Parce que ça aussi, c'est un problème. Hein. Quand on va dans Ono à pied, les voitures sur les trottoirs, c'est nous, les piétons, qui vont sur la route. Hein. Il y a toujours plein d'idées, mais enfin, nous, on est assez. En ce qui concerne Saint-Symphorien, on est assez gâtés. Je prendrais une mesure par rapport aux pesticides. C'est une commune où il y a beaucoup d'épandage. Donc, je trouve que les habitations sont beaucoup trop à proximité des lieux d'épandage. Moi, personnellement, ici, je suis très, très bien. Je suis dans la campagne. On est heureux, on a les commerces qu'il faut. Moi, je ne demande rien d'autre. Y a des rats oiseaux que je ne vois plus. Donc moi, je suis venu en Eure-et-Loir pour aller à la campagne et je me retrouve un petit peu dans un endroit qui est parfois peut-être plus pollué que la ville. Alors je sais que c'est un problème étatique, hein, d'État, mais il y a déjà des maires qui s'engagent et j'aimerais bien que chez nous, alors ça n'a pas l'air de plus les travailler que ça, mais j'aimerais bien qu'ils prennent le pas et qu'ils montrent l'exemple aussi.